Quand chaque fois tu chantes la Nia, à chaque fois tu t'étouffes. La Nia, c'est là ou pas? Tu n'arrives pas à le dire des fois. T'as progressé. La nuit. Ah, t'es triste dans ta vie. Regarde, t'as lancé un live, t'es toute triste. Ah, t'es toute seule dans ta vie. Je suis seule dans ma vie, mais il a un problème, ce mec. Pardon, excusez-moi, j'ai droit à un joker chaque année. Après, d'un côté, j'ai dit une vérité, les gars. Il y a que la vérité qui blesse, hein. Putain, c'est dingue. Ah non, je vais devoir m'excuser, quoi. Super. C'est mort. On y va ! Suivez le bistop de Riri. Et le produit pour les... Ah oui, mais c'est pas méchant, hein. C'est pas, je suis pas impuissant, j'accueille bien. Mais c'est au niveau de mes dents et ça m'a jauni les dents. Justement. Vous aviez raison, les gars, dans le chat, les dents. C'est toujours été mon complexe. Attends, regarde. Alors ça de là. Oh putain, c'est dégueulasse. Il y a les dents jaunes. C'est pas le tabac, hein. C'est pas parce que je me brosse pas les dents avec le dentifrice anti-tar. Des Hugo Boss, s'il vous plaît, madame. Jack and Jones. Je lui taillerais bien une pipe à un propriétaire de ce slibard, de ce boxeur. Oh, bouge pas. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, déjà, tu peux enlever ton masque, s'il te plaît. Merci. C'est un inter-admin. Ouais, c'était pourquoi? T'as vu, la bouffe, elle se périme tout seul maintenant. Tu peux éviter de te dondiner du cul, là, juste devant moi, là? Juste, reste sur place, là, bouge pas, gros. C'est ouf. Vas-y, j'arrête de bouger. Bah, dis quoi, c'est quoi la question? La bouffe, t'as vu, elle se périme tout seul maintenant. Et sauf que les trucs de graille, ils sont tout le temps fermés. Tu peux rien acheter. Mais gros, t'achètes des conserves, pourquoi est-ce que tu me casses les couilles? C'est quoi ce ticket de merde? Vas-y, je me casse. On a résiste. On me redéposer au moins. Et c'est vraiment Nachave. Nachave? Eh, je voulais savoir, t'es, est-ce qu'elle écoute du Lara Fabian? Du quoi? Lara Fabian, tu peux lui demander? Ok, j'arrive. Ok, merci. Elle connaît Lara tout, Fabian. La chanson tout, de Lara Fabian, parce que tu me parlais de tout. La tout, ok. Et tu demandes de chanter. Réponds du tout. Tout est fini entre nous. Mais non. Bah si, elle m'a sorti ça. Parfait, c'est une vraie. Elle, apparemment, elle est validée de ouf. On lui refait un autre test comme ça de chanson. On va voir si elle est OP. Oui, je t'entends. Est-ce que tu veux que je te montre une partie de mon corps? Est-ce que... Bah déjà, j'aimerais voir ton visage. Tu vas voir mieux que ça. Oh. Eh, mais si tu veux, on s'écrit en privé, c'est mieux. Oh, c'est cool. Putain, je comprends rien, mais tu fais quoi là? Oh, attends. Hey, t'es un mec toi? T'es sérieux? Non, je suis une fille. Bon, on dirait pas, t'as une moustache. Oui, mais je suis en transition. Je comprends J'ai rien. J'ai pris des hormones. Bah ouais, mais Marine, elle est sur la photo, c'est pas elle. Allez, tiens. Attendez, il a pété un câble. J'ai pas vu sa tête. Ciao, bye bye. Allô? Oui, ah non, l'autofiesta? Pardon? L'autofiesta? Ah, vous êtes trompé, monsieur. Ah bon? C'est pas Nadège? Ah, pas du tout. Bon, alors, en régie, on va aller vertier les anciens. Bon. T'imagines, t'as un connard qui t'appelle? Bonjour, accroche, malheureusement, le numéro. Il te gueule à la gueule! Regardez, les gars, regardez, hein. Et le 47! Mais non! Le 47! Le 30, c'est quoi ça? C'est dans bon sa salle à manger, il fait argent. Hein? Ils ont l'air motivés, hein? Bah voilà. Oh, il le gros plan isé en plus! Bien joué, celui qui a mis cette photo! Ben moi, je suis comme ça, j'ai toujours été curieux de nature. Tu me trouves intelligent ou pas intelligent? Ouais, je te trouve très cultivé, t'as beaucoup de culture. Oui, t'es vraiment quelqu'un d'intelligent. Oui, mais tu sais. Tout ça, c'est parce que j'ai été curieux de tout, d'être bonheur. Je me suis intéressé à tout. Moi, je suis pas un je vais être méchant, un handicapé. Tu sais, les gogoles, machin, numéro, là. Un triso.
Ah, bien. Bien. Eh ouais, mais moi, elle m'a donné ça en entrée avec une tartine. Vas-y, mange ça, mon fiston. J'ai dit non, mais j'ai goûté, bon. Et après, deuxième, j'ai dit j'arrête. Je vois dans la cuisine, c'était du César. César sur la table de travail. Non, alors j'ai rien fait. T'as aucune prestance, gros. T'es un fragile. Bon, mais qu'est-ce que t'as un fragile? Tu vois, longtemps là, petit bouffon. Allez voir ailleurs. Calme-toi, fais pas les gangsters. Eh, ici, dans un prix, y'a des lois. Eh, y'a des lois, frère. Bon, je m'appelle DZ, c'est tout. Tais-toi, t'es petit. C'est dans le fond de moi. C'est dans le fond de moi. C'est quoi ce putain de vignol là? T'as deux doigts de faire un circuit, les mecs. Ridicule. Faites-vous remarquer par vous-même. Mais il y a des provocations, t'appelles juste Boursa en fait, c'est tout. Bon, vous pouvez arrêter de nous harceler, nous, en première année. Ferme ta gueule. On y va, Manu, on les laisse. Viens, laisse des bouffons. C'est des putains de bouffons, viens. Faut doser, non? Moi, je pense qu'il est dans les choux. Ah, ça, c'est pas ça. Non, mais ça, c'est là où il est, quoi. Ouais, je voulais intervenir concernant ce que vous voulez dire sur Michael Schumacher. Ça serait bien de respecter un petit peu ce grand champion qu'il a été, enfin qu'il est toujours, et d'arrêter de vous moquer de lui, quoi, parce que c'est stupide et immature. C'est pas une question d'humour, c'est une question de respect. Ta mère, elle t'a pas appris ses principes en queue de tes dents. Bah. Déjà, j'ai jamais eu une mère, donc va te faire enculer, toi, connard. Je t'emmerde alors, bah alors apprends tes rêves, alors je comprends mieux pourquoi t'es un connard fini. T'as un gros nez, mais quand ça te traverse, c'est différent. T'attaques le physique, t'as plus d'arguments. Excuse-moi, il te reste un petit sperme là dans ta moustache à D'Artagnan. Là. Mais j'ai toujours à côté apprécié la. C'est fini. Bah moi je suis fan de Manuel Ferraro et je te raconte pas les films que j'ai vus. Il a flop là, non? Des masses guignols. C'est un peu bizarre ce gars. C'est l'Emmanuel Ferrara, mais. Non, mais c'est quoi ce guignol? Moi, je suis sous la couette, je tripote mon zizi. Ah, tu connais, André, hein. Tu me l'as réchauffé, elle est prude. Ah, oh, malade, André, tu es monté sur mon zizi, André? Non, c'est rien. Ah, André, c'est bon. Écarte tes fesses, j'arrive, André. Vas-y, monte en cam, je te la mets dans la bouche. Je préfère que je te la mets tout, André. Et le 46, le 46. Attendez! Il y a Régis dans le trou avec ses couilles. Un gros bisou à Nip. Non, j'y crois pas, t'as réussi à mettre Régis tout nu. Non, j'y crois pas, c'est une masterclass. Qui a réussi à mettre Régis dans le public? Et c'est passé. Mais non. Allez-y, côté celui qui voulait. On l'a jamais sorti, celle-là. C'est ton moment, Raphaël. Oui, mais moi, je voulais chanter une petite chansonnette en cours. Là, les circonstances sont pas bonnes, là, du coup, là. Ah bah si, elles sont parfaites, là. Elles sont alignées. Tu peux y aller. Non, mais sérieux, mais envoyez des côtés, quoi. T'en as bien profité, toutes ces années. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et tu pleurniches. Tu vas me donner tous les bijoux. Je te laisse un million parce que tu me fais de la peine. Et je m'en vais, c'est bon, on avait la vie seule. Et plus jamais te voir. Compris? Non, t'es sérieux. Non, mais comment il a appris le bin par cœur, ce con, putain. C'est un ouf, lui. Ah ouais. Je voulais la garder en réserve, celle-là, mais bon, par le live. Voilà, tant pis, hein. Je vais te donner tous les bijoux. Ah. Bon, moi, je vais aller dormir. C'est bon, elle m'a saoulé, elle. Il va te coucher, il est là. Oui, mais parle-le, me manque pas de respect non plus, je t'ai pas manqué de respect. À quel moment je t'ai manqué de respect, Raphaël? C'est une provocation, ça. Tu me bouscules, tu vois, t'as fait déplacer mon corps. Arrête de me bousculer. C'est pas ma faute si tu fais 1m40, non. Oh là là, je ne sais pas plus, Norbert. Toi, arrête de me chauffer, toi. La vie de ma mère, tu fais trop la ouf. Je vais te faire. Hop, c'est quoi, tu vois, t'es mi-barre là. La vie de ma mère, je vais prendre une scalpel, je vais te faire le contour du téton si tu continues. Tu comprends ou pas? Tu comprends ou pas? Tu es sûr de toi? Je vais te prendre le contour de ton putain de téton. Oh là là, t'es une malade. T'es une malade. En tout cas, je voulais vous souhaiter tout. Il a pas un retard mental, c'est juste un artiste, il est bien début, quoi. Des personnes, t'as des faits d'actualité, comme ça, hein, connu, hein. J'ai un côté poète, un mot anodin. Évidemment, moi je copie pas, je plagie pas, parce que je fais plusieurs lives autre part, un certain Nazim fait... Quoi? Il y avait personne dans le chat? Attends, c'est un live Facebook perdu d'entre plein des milliers de lives Facebook? Là, il y a personne, il a quand même trouvé... Il a le culot de parler de moi. Mais en fait, les piges... Ok, bon, les piges, des fois, ils surenchaînent, ils font n'importe quoi. Mais là, il y avait personne. Non, mais c'est un malade. Pénère. Des belles choses. Vous souhaitons bien, fidèlement. Sachez.
quand tu le mets d'une traite, c'est violent en fait. Tu vois qu'il réfléchit à ce qu'il va dire quoi. Ah putain. Putain, il a 4900 amis. Oh le lourd, il ajoute tout ce qu'il veut. Il a fait bonne pute. Non mais regardez-moi. Travaille chez Court-Métrage, travaille chez. Travaille chez Travail Artistique, Court-Métrage, Figuration. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Chroniqueur en participant à l'émission Europe 1. Interviewé en posant une question en direct pendant une émission publique à Radio RTL. Pourquoi là, quand à chaque fois tu chantes la Nia, à chaque fois tu t'étouffes. La Nia, la Nia. Tu es là ou pas? Tu n'arrives pas à le dire des fois. T'as progressé la ou nuit, pas? La nuit, 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 la nuit. La nuit, 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 la nuit. Allez, vas-y. Par contre, les gars, quand je vous demande de checker le BP, faut le checker, hein. Il était au-dessus. Bah, tu fais quoi, toi aussi? T'es sur le site aussi, non? Taisez-vous. Chiant, les gars. Ah, c'est un délire. Ah, ouais. Mais c'est sûr, il parle dans le vote tout à l'heure, gros. Il se prend pour je sais pas qui, il nous fait du bien. Laisse tomber. Mais, les gars, je donne que de la com basique, hein, les mecs. Ouais, vous vous énervez pour rien, vraiment. Arrête de parler, frère. Arrête de bait tout le monde. Va prendre un site. Après, viens parler avec nous. Ton langage de racaille, ça va deux fois, mais. Ouais. Pédale le sang, je te pousse à la gueule, frérot. C'est bon, ferme tes morts maintenant. Laisse les gens jouer, frérot. Bah, je laisse les gens jouer. Toi, tu parles comme un wesh et tu ouais, t'énerves. Je m'en bats les couilles, nique ta mère, c'est bon. Pardon? Gave, frérot, ta voix elle gave. Ton micro il gave et tes commentaires de merde, tu gave, frérot. Attends, je prends. Moi de l'argent. Et... bon, Akari. Oh, t'es triste. Attends, j'ai remonté de morale. Moi, je suis là aussi pour ça, les gars. Pour montrer que voilà, on essaie de faire les choses bien et d'être gentil avec les gens. Allez, un peu de bienveillance sur ce live, les gars. Salut. T'es triste dans ta vie. Regarde, t'as lancé un mec, t'es toute triste. T'es toute seule dans ta vie. Mais il est pathétique, lui. Il a un problème, ce mec. Je suis seule dans ma vie, mais il a un problème, ce mec. Pardon, excusez-moi, j'ai droit à un joker chaque année. Excusez-moi. Après, d'un côté, j'ai dit une vérité, les gars. Y'a que la vérité qui blesse, hein. Regarde, elle m'a kick instant alors que j'ai rien dit de méchant. Putain, c'est dingue. Maintenant, je vais devoir m'excuser, quoi. Super. C'est mort. Tu m'as fait peur. Bah non, parce qu'en fait, je pensais que c'était deux, moi. Ouais, mais sur 16, il faut jamais penser, faut être sûr. Ouais. En fait, je suis pas dans la game là. Je suis concentré avec l'autre là qui me rend dingue avec sa commune qui veut une pizza au fromage ou une pizza au. Que j'en ai à foutre, moi, de la pizza là. Elle est vegan, Taché? Non, elle aime plus tout ce qui est viande et tout, mais moi j'aime elle plus. Elle aime la bite, ouais. Ah, les gars, un peu de respect. Un peu de respect quand même. Ah non, mais je sais pas, tu dis elle aime la viande, c'est pour ça. Mais bon, pas la peine de faire. Ouais, mais là, c'est. Tu manques de tact, mec. Mais non, mais tu me dis elle aime la viande, alors du coup j'ai cru que c'était parce qu'elle aimait oui, ça. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Bah moi je dis pareil, elle aime la viande quoi, quand une fille aime. T'inquiète, j'en veux pas, t'inquiète pas. Non, je pense qu'il a pas grillé, hein. Regarde, il m'accepte encore. Tu peux normalement. Regarde, il m'accepte. Ok, c'est parti. Alors je viens de montrer si tu veux. Tu l'aimes? C'est la fin de la vidéo, et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Suivez le bistop de Riri.